enregistrer sa partie. Vous sortez sur lui. Je prends tout ce que vous avez mis sur TikTok. Je pars sur Facebook parce que là, ça reste. Je fais un direct tous les jours. Et c'est-à-dire... Attendez, je vous fais écouter. À partir de demain, je m'occupe de ça. Oui. Même pas TikTok, Facebook, parce que ça, c'est là-bas. Ça fait là. Attendez, je change mon profil. Là. Vous pensez que vous pouvez intimider les gens qui viennent ici? N'importe quoi. On va voir. Je vais commencer mes directs sur Facebook, parce que là, ça reste. Et là, quand tu tagues, ça reste. Et je connais quelqu'un à Abidjan. Particulièrement, je vais m'occuper de ça. Intimider les gens qui viennent ici juste pour donner leur... C'est que Mel ne peut rien créer. C'était juste un exemple que je voulais donner. Mais comme les gens font une fixation sur ma personne, c'est pour s'assurer que je fais mes... Il faut diminuer sa voix. Quand les gens font, vous mettez la voix pour faire du vent. Vous pensez que vous êtes maître de tout ici. N'importe quoi. Où est la vidéo d'ailleurs? Oui. La réconciliation, c'est pour quand? Ouais, Biggie. Je vais vous retirer parce qu'il fait une manipulation. Préparez-vous. Dans un dossier qui m'intéresse. Et ta manipulation ne me convient pas parce que essaye de... Voilà, avec tu fais une manipulation. C'est pas bon. Après, tu pourras donner ton avis, s'il te plaît. Panel de merde sur son panel. Elle a dit ou pas? Moi, je ne me réveille. Oui. Elle a dit oui ou non? Non, oui, mais c'est... Elle a dit oui ou non, c'est tout. Elle a dit qu'elle ne veut plus que tu passes le panel de cette yadée sur son live. Oui. Elle t'a expliqué pourquoi du comment. Oui, mais c'est pas moi qui a demandé. Donc c'est bon, stop. Ok, mais moi, tout je suis allé là-bas et enregistré chez Kadi. Je suis désolé. Il n'y a pas que moi qui est là. C'est bon, je ne te parle plus, c'est bon. C'est pas moi qui ai commencé, il y a Kadi même qui a commencé à enregistrer. Donc pourquoi c'est moi que tu grondes? Comment elle s'appelle? Comment ça fait dialogue? Et puis elle a avec les autres, s'il te plaît. Moi je viens d'arriver. Tu pas à 1h du matin pour lui me prendre la tête et toi. Dialogue et puis Bintou. Aïcha, pardon, On peut me dire au coup comme ça facilement. Donc, dialogue, et puis, excusez-moi, Black Angel, excusez-moi. Influenceur ne veut plus. Elle a dit tout à l'heure qu'elle était là. On a voulu jouer les audios quand ça a commencé le live. Elle a dit qu'elle ne veut plus, pour des raisons qui lui sont simples. On a même discuté ici, c'est son panel. Maintenant, là, elle dort. Demain matin, elle se réveille. Il y a ça, c'est pas intéressant. Vous comprenez? Non, elle a qu'à aller faire sur les politesses ailleurs. On te reprend sur les panels, tu prends les gens pour tes camarades. Il faut remonter si tu vas voir si tu as monté ici. Donc, elle a dit, je vous dis et je vous répète, c'est elle qui a laissé la commission. Quand elle va se réveiller demain matin, elle a qu'à venir me trouver, me dire la même chose. Tout à l'heure, on était ici. On voulait écouter un live. Elle voulait écouter le début de ce live-là. Où ça chauffait? Elle a dit non. Même à moi, elle m'a dit non. Pour la simple et unique raison que c'est son panel, qu'elle ne veut pas que l'autre pense qu'on se sert de ce truc. Donc, elle dit qu'elle ne veut pas. Donc, c'est quand elle laisse de commission, hein, que oui, il faut écouter. On n'a qu'à écouter juste la partie où on a parlé de moi ou pas. C'est versé sur Facebook. Où on parle de moi, c'est versé sur Facebook. Non, mais tu sais, je te coupe pas la parole, mais quand tu es parti, Chef Adama parlait. Donc, elle a demandé qu'on enregistre Chef Adama. Et puis, pour que demain, on puisse faire quelque chose là-dessus. Parce que souvent, Cathy, comme elle est habituée, elle n'enregistre pas les lives. Donc, c'est pour ça qu'on a. Et puis, on a écouté Cœur d'Ébène. Et puis, quand elle parle, on abaisse la voix. C'est pour ça qu'on faisait ça. Sinon, c'était pas comme nous, on veut écouter. On causait ici tranquillement, en fait. Oui. Non, je viens d'arriver. Ça fait même pas une heure que je suis là. On ne savait même pas tout ça. Là. Ok, donc. Effectivement, arrêtons. Voilà. Oui, on va laisser ça à demain. Je sais. Ok, c'est cette petite partie qu'on m'a envoyée. Faites le direct sur Chef Adama. Sortez sur... Vous voulez effrayer qui? Vous pensez que vous êtes qui sur TikTok? À partir de demain. Demain, j'attends votre direct. Vous finissez dès la nuit là, ou très tôt le matin. Toutes les petites parties importantes dont je vais me servir. Je vais faire d'abord une vidéo montage que je vais poser sur mon TikTok. Oui. Qui n'est même pas le direct d'abord. Et je vais tout faire pour que la PLCC voit ça. Je vais commencer à faire les directs. Tous les jours. Moi seul, je peux parler 6 heures sans boire d'eau. Ne pensez pas que... Sortez sur Chef Adama.
Il a dit quoi? Sortez sur lui. Genre, vous voulez insulter, sortez sur lui. Genre, quand quelqu'un va monter ici pour parler, vous allez faire votre maman sur la personne. Sortez sur lui, vous allez voir. Toutes les petites vidéos, mes abonnés vont voir que vous voyez. Envoyez-moi tout. La PLCC sera au courant de tout ce qui se passe sur TikTok. Sortez sur des gens. Vous pensez que vous avez le monopole de TikTok? Ça va se gâter, ça va se tiaiser. C'est votre personne qui est chacha, non? Rien à foutre. Parce que quand vous prenez mes enfants dans la nuit profonde, en train de yuruku, c'est-à-dire vous proférez même que je dois mourir. Vous ne voyez pas ça, hein? Vous ne voyez pas votre haine, hein? Une personne qui vient donner son avis ici. Et alors, les gens qui donnent leur avis là-bas, je les prends. Qu'est-ce que je les fais? Je m'en fous. C'est leur avis. Toute la soirée aujourd'hui, c'était sur moi, c'est leur avis. Vous m'avez vu prendre quelqu'un? Genre, quelqu'un va s'exprimer ici. Vous êtes des maîtres. Ok, vous avez enregistré. Ok, oui, on nous a dit d'enregistrer. On va voir demain qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ici. Genre, vous êtes trop les gangamas de TikTok. Faites-le. C'est ça qui va écoper. Comme c'est votre... Mamadou, il sort sur Chef Adama, je le fais. J'ai déjà juré. Hein? Il sort sur Chef Adama pour l'insulter, je le fais. Je le fais. Et là, je vais regarder personne. Il n'a qu'à sortir sur Chef Adama demain. Il a fait quoi? Donc, c'est la dictature, quoi. Personne ne peut s'exprimer. Il a dit quoi? Juste deux petits trois mois après, il est descendu. C'est quoi? Parlez, je vais envoyer un message à la personne qui doit m'envoyer. Il va me prendre toutes les petites vidéos. Dès demain, je commence. Et donc, à sortir. Pardonnez, bipez-moi. Donnez-moi l'heure, ce moment, il serait là pour assister. Tout le monde va écouper. Toutes les gens qui sont dedans, toi, principalement. Toi, là, la mère alors, qui contrôle tout sec, ça. Ça va écouper. Viens qu'on tape dessus, quoi. Ton petit coq sec, là. Tiens, qu'on tape dessus. Ça, retrouve. Bonne boy. Tout le monde, là. Viens, moi, la main, il est pas déplainte. Edwige, je voudrais te dire que je suis désolée si tu as reçu des menaces de la part de Melmel. Melmel, si tu es dans les commentaires, si tu es en bas, sache que si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à moi. C'est moi qui a exposé ta capture sur tes commentaires. Tes commentaires sont publics sur TikTok. Donc, ce que tu veux faire, fais. On va voir. Non, mais franchement... Je ne peux rien faire, l'Ivoiricaine. Oh. L'Ivoiricaine, elle peut rien faire. Je vais prendre la capture de ma page Facebook. Je ne peux rien faire. Les gens qui ne sont pas abonnés. C'était juste pour faire... Que c'est parce qu'elle a escroqué qu'elle est là-bas. En fait, c'est ça là, le problème, au fait. Selon ce que tu dis là, je suis d'accord, c'est ton ressenti, moi je l'accepte. Je te disais que je ne discute pas avec toi dans ce genre de truc, parce que on se connaît. Chacun amène son panel comme il veut. Chacun mène ses pensées comme il veut. Notre comment on appelle ça? C'est ta page Facebook qui est là. Oui, avec 87 000 abonnés. Il est d'accord avec ça, comme ma page. Il bouillonne. Mais bref, je suis sorcier, tu sais que toi et moi, je n'ai pas sa page Facebook. Attends, je bonne boy, s'il te plaît. Tu sais que toi et moi, Waka, on a une devise. On est d'accord de ne pas être d'accord. Donc, tu sais que il n'y a pas de problème. Ton gros français, là, moi, je ne comprends pas. J'ai posé une simple question. Il y a des chacun a son panel et chacun fait ce qu'il veut. Et même si on n'est pas d'accord, on doit être d'accord de ne pas être d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je suis en train d'expliquer simplement, c'est que si tu fais ça, voilà, si tu fais ça, c'est pas juste pour celle qui est là-bas. Pour mes enfants, je suis prête à tout. J'en ai rien à foutre de cette femme. Je suis prête à tout pour mes enfants. Bon boy, c'est bon boy qui a le dos là. C'est pas tout le monde qui a le dos là. Tout le monde n'accepte pas tout. Mes enfants, j'ai laissé tomber. Le chef Adama vient donner son avis. On veut le prendre pour le faire en sandwich. Pourquoi? Sinon, ils ont parlé de mes enfants. J'ai répondu, je suis passé à autre chose. Je suis sur le sujet Chacha. Mais parce que Chef Adama est venu ici, donc c'est là maintenant même, je vais profiter du problème de Chef Adama pour faire la guerre de mes enfants avec Chef Adama alors. Qui viennent, qui sortent, elle était en audition, les gens étaient au téléphone. À blaguer. Genre, vous allez effrayer tout le monde. Il y a tout ça dedans. C'est comme si moi j'ai dit, comme l'autre a permis à ce qu'on parle de mes enfants sur son panel, si elle permet encore à ce qu'une seule personne monte sur son panel pour venir dire merci, il va venir faire quel truc à mes enfants, j'aime m'en prendre à la personne. Est-ce que vous n'allez pas. C'est pas ton débat. Quand j'ai mis le duo, on parle de mes enfants hier, est-ce que j'ai parlé de prendre cette décision? Non? J'ai juste parlé et puis je suis passé à autre chose, nous sommes dans le sujet à fond. Arrêtez! Mais ils sont en direct, Tu vas le payer. Chef Adama fait quoi? Tu vas le payer, bon boy. Qui? C'est que tout ce que tu es en train de créer, toute cette zizanie là, tu vas le payer. Bon boy n'a rien fait, Vige. On a qu'à laisser bon boy tranquille. Vige, pardon. J'ai demandé pardon. Laissez mon corps tranquille.
on n'a pas la même sensibilité. Elle ne peut pas se dire, ok, les gens sont dans le sujet, on leur fout la paix, et eux aussi, ils nous foutent la paix, et puis chacun, si elles ne veulent pas parler du sujet, ok, mais elles avancent tranquillement. Mais elles vont pas dire que quand moi je vais faire le sujet, les gens qui vont venir s'exprimer ici, toute personne qui va monter sur mon panel sur le sujet de Chacha, qu'elles vont prendre le corps de la personne pour aller faire pita 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 là-dessus, je fais le direct, je fais la vidéo, tous les collages, et j'identifie la PLCC. Peut-être il y a même plus que PLCC. Les gens vont me donner tout, je vais les identifier eux. Toi aussi, hein. Tu veux te mettre dedans forcé. On a va oublié là-bas, ton affaire. Va là-bas, t'étais là à faire. Waka, tu parlais de ton affaire, attends, demain, allez pardon. Là-bas. Attends ton affaire là, demain, aujourd'hui là. C'est Waka qui est branché, on va demander pardon à Waka. Waka, faut te calmer, hein, Waka, c'est pas grave, faut te calmer. Waka, s'il te plaît, calme-toi, laisse tomber, hein. Mais tant qu'elle veut parler, pour se ramener à elle, on peut rien faire. Oh, mais Bobo, regarde. Si elles veulent clasher, pourquoi elles veulent parler d'elle seulement? Moi, mon corps, plus clasher. Bobo, tais-toi. Et puis moi aussi, je vais venir répondre avec ma bouche. Vendu, va. Je peux revenir et reprendre avec ma bouche qu'elle me prenne. Waka, faut te calmer, c'est rien. C'est mais juste. Pour prendre, chef Adama clash. Chef Adama ne clash pas, il n'a pas le direct. Hey, Waka, faut laisser tomber. C'est les amusements et TikTok. C'est les amusements. Ça ne fait pas rire. C'est le fait. S'il vous plaît. C'est censé faire rire. Vous savez, il y a 6 heures de décalage horaire pour les gens qui sont dans le direct. Quand vous voyez un direct sur Chef Adama ou les intervenants de la Wakatolo TV, pas sur moi, hein, sur moi, je m'en fous. Elles peuvent. Mais pas sur Chef Adama. Elles le font. Prenez la partie, donnez-moi. Parce que je veux avoir raison en faisant ce que je dois faire. Envoyez-moi là où vous avez l'habitude de m'envoyer. Les abonnés vont vous suivre. Vous savez où. C'est bon, enfin, Waka, faut te calmer. Les abonnés vont voir qui vont commenter. Si les gens sont en vrai profil, ils vont commencer à venir prendre les gens pour aller les Yuruku. Pourquoi? Waka, oui, calme-toi. Les gens n'ont pas peur de monter, les gens ont peur de donner leur avis. Mais même si vous voulez se valoriser pour ça, oh! Toi, faut laisser ton hypocrisie. Oh, mais bourgeoise, laisse-moi parler ou bien? Tu as quel problème? Ce que je dis là, c'est pas important. C'est pas important, faut laisser. Mais toi, tu dois me parler comme ça. Je suis en train de lui demander de se calmer ou bien c'est pas important? Oui, mais toi aussi, toi-même, ton ton n'est pas bon. Non, faut laisser lui là, on se connaît, faut le laisser lui là. Il dit, Waka, faut te calmer. C'est juste, là, papagnon, là. C'est papagnon, juste arrête. C'est juste. C'est nous, on doit demander pardon, Waka. Faut te taire. Moi-même. C'est toi qui fais gengengeng ici, là. C'était pour demander pardon. Gengengeng, là, c'est pour demander pardon. Cri. Toi. Moi-même, il attend le live de demain. Il attend, comme ça. Il attend. Bon, il attend, ma gueule. Si c'est toi qui peux enregistrer, si c'est sur moi, je m'en fous. Mais si c'est sur les intervenants, spécialement Chef Adama, comme c'est son nom qui a été prononcé. Mais qui est Waka? C'est des babas. Waka, et si c'est bon boy, il a enrichi sur lui. C'est des babas. Bon boy, nous tous on enrichi sur lui. C'est quoi? C'est des babas. Il veut rien faire, Waka. C'est quoi? Waka, c'est des babas. Il peut rien faire. C'est des babas. Il peut rien faire. Laisse tomber. Non, mais franchement, moi, je veux dire... Quand on vous parle, vous pensez que... Quand vous... En fait, je vais vous expliquer. Attends, parlez aussi. Non, bourgeoise, laisse-moi parler aussi. Depuis le matin, tu es en train de non, parler. Non, tu as trop parlé. Bourgeoise, s'il te plaît, parlé, arrête bon. Un peu. Attends, moi, j'ai parlé, arrêtez. Bourgeoise, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tout était... Pardon. Laisse-moi parler, moi, je veux... laisse-moi parler. Non, mais c'est pas vrai. Moi, je veux dire... Bon boy, tu es... Magui, arrête un peu. Magui, arrête un peu pour toi. C'est difficile, hein? Oui, il était dit, il faut arrêter. Ils ont parlé de mes enfants hier, ils ont parlé de moi, ils ont tout dit. Ce matin aussi, je m'en fous. Mais pas que parce que Chef Adama est monté ici, il n'a même pas fait 5 minutes en fait. Il a donné son avis, il est descendu dans la paix du Seigneur. Qu'elles vont donner des ordres que lui, ils ont dit de prendre la partie de Chef Adama. Qu'elles peuvent faire quelque chose avec ça demain. Pourquoi? Vous avez parlé de mes enfants, j'ai laissé tomber. Maintenant aujourd'hui, les gens qui vous montent ici, qui vous voulez les prendre aussi, c'est d'aller mettre une corde sur leur cou. Mais moi aussi, je vais faire ce que je dois faire. Je vais faire ce que je dois faire. Vous pensez que vous êtes les seuls méchants sur la toile? C'est bon. Vous voulez sur tout le monde pour une amitié de 5 mois que vous voulez. Vous venez juste de connaître, tu la connais même pas dans la vie. Vous venez insulter les enfants des gens, les gens qui viennent s'exprimer sans injure. Vous voulez les insulter, faire des panels sur eux. Vous faites le panel, je vous promets. Vous faites le panel sur Chef Adama demain. Je constitue toutes les petites vidéos, je les colle, je pose sur mon TikTok. Je fais le direct sur TikTok. Avant de venir sur TikTok, Facebook d'abord, rendez-vous. Je pose sur TikTok, je les identifie eux tous, si c'est gendarmerie ou PLCC ou tout ce qui est CCC, je les identifie. Et puis je fais le direct là-bas aussi. Minutieusement, j'ai tout, hein. Waka, nous aussi, on est en train de prendre balle perdue, hein. Donc s'ils font pour nous là aussi, pardon, faut faire.
C'est ce que je dis. Comme classe, moi, c'est le jeudi, c'est pas mercredi, c'est le jeudi. C'est le jeudi. Moi, je veux savoir. Pour venir mettre les baouins hein, sur ma soeur, hein, ok? Bourgeoise, oui. Toi là, oui. Tu as beaucoup d'argent. Oui. Ton nom là, c'est bourgeoise même, donc ça va. Bon, dis-moi juste les noms, je les bloque. Maintenant, je vais commencer à lire. Je vais les bloquer. Waka, est-ce que Chef Adama est monté? Il les a pas insultés. Il a dit quoi? Il a dit que c'est. Non, mais ce sont les vilaines personnes. Moi, j'ai même pas entendu la partie de Chef Adama. Je dis non, on ne donne pas de qualificatif. Il a dit non, mais pourquoi comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit de plus? Il est responsable de ses dires. Donc, il se remplit à eux. Il est responsable de ses dires, c'est sur mon panel. Ils n'ont rien à foutre des gens qui montent sur mon panel. Parce que je n'attaque pas les gens qui montent sur leur panel. Je n'attaque pas. Exactement. Ils n'ont qu'à sortir là-dessus. Tu vas être très déçu de moi alors si tu penses que je ne vais pas le faire. Qu'ils sortent sur Chef Adama. C'est là que je vais leur montrer que quand je dis je fais. Qu'ils sortent sur Chef Adama. Ouais, calme-toi. Moi, ce que je veux te demander, c'est... Reste zen, calme-toi. Ça reste des bruits de couloir, tu vois. Il y en a qui dorment, il y en a qui donnent ordre à certains qui sont réveillés de... Tu as vu, il y a des jours en arrière, on critiquait le panel de Waka de personnes. Waka, s'il te plaît, tu peux bloquer le compte, il y a la photo de Jossi là. Je vais prendre la capture et puis je bloque la personne. La personne s'appelle J'ai jamais mon goût. Donc, okay. Waka, comme je suis en train de dire, tu vois. En plus, il est coagulé, tout ça là. Voilà, c'est bloqué. La personne est bloquée, c'est bon. Pardonnez, je perds 2 minutes de votre temps, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire, Waka, tu vois. C'est eux qui ont dit que chez Waka, on veillait. Mais ils nous ont montré encore par leur vidéo que eux-mêmes, il y a des gens qui leur donnent ordre de veiller pendant qu'eux-mêmes dorment. Donc, quand on regarde, apparemment, c'est eux les vrais veilleurs. De ce fait-là, après, n'accorde pas beaucoup d'importance à beaucoup de choses, tu vois. On est sur la toile. Moi, je suis certain d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de bavards sur, TikTok. Il y a beaucoup d'hommes qui parlent beaucoup sans agir. Ça, je suis conscient de ça. Il y a beaucoup qui aiment le match vu. Il y a beaucoup même qui ramènent des histoires qui les intéressent pas, dans lesquelles ils sont pas concernés. Par conséquent, faut faire, je dirais pas faire profil bas. Tu défends. Ce que tu fais, c'est normal de défendre tes téléspectateurs, tes renchérisseurs, tes panélistes, c'est très important. Mais c'est un bon signal que tu leur donnes. Même si je suis convaincu que personne d'entre eux ne va la mettre. Parce que tous sont veilleuses. Ils aboient, mais ils ne mordent pas. L'intimidation afin que les autres se taisent. Je pense que c'est à foison sur les réseaux. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus me mêler de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes que j'aime bien, en tout cas, qui, ma foi, me disent « Arrête, fais pas. » Moi, je me tais là-dessus, mais... Personne ne viendra parler. Eux seuls, ils vont commencer à se manger comme ça là-dessus. On a vu il y a 2-3 jours, entre eux-mêmes, sont en train de se manger. J'exhorte encore ceux-là. Moi, je vais dire ça et puis vraiment plus parler sur ce genre de dossier. J'exhorte encore ceux-là qui vraiment n'ont pas les tenants et les aboutissants, qui n'ont vraiment rien entendu, rien vu et ne savent rien. De faire profil bas, de ne pas faire le « je connais le dossier, je vais parler de ça », honnêtement. Moi, c'est ce que je vous conseille. C'est valable pour toi, Edwige, tu es ma sœur. Ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas... C'est toi qui es en train de m'intimider. Il faut m'écouter 2 secondes. Mais c'est toi qui veux m'intimider. Il faut me laisser 2 secondes finir. Donne conseil à d'autres personnes. Je ne te donne pas de conseils. Qui je suis pour prétendre te donner des conseils? Je te parle, tu me dis je te donne des conseils. C'est toi qui l'entends comme un conseil. Il ne faut pas me parler. Donc, les gens qui laissaient ceux-là qui ont décidé de mettre la poitrine. Si tu n'as rien entendu de leur affaire, tu n'as rien vu de leur affaire, le sujet, surtout quand tu n'as pas les tenants et les aboutissants. Si tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu, renchéris juste. Bonjour, bonsoir. Je vais prendre Chiam, je vais te prendre après, ma belle, LMD. J'ai entendu ce que toi tu as entendu.
Ça me suffit là. Si tu as entendu, c'est que moi j'ai entendu. Tu dois la fermer comme moi je la ferme. Non, tu l'as pas fermée. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu l'as fermée? Si tu as entendu, c'est que moi j'ai entendu. Pourquoi faut la fermer? Est-ce que moi je parle encore dessus? Moi, mais ferme-la alors, ferme-la. C'est ma poitrine, mais c'est ta poitrine. J'ai utilisé ta poitrine. Tu vas la fermer. Est-ce que c'est ta poitrine que j'ai utilisée? Voilà, c'est ta poitrine, mais laisse ma poitrine. De toute façon, on est sur le retard, on va pas fuir. On va assister à la fin. Non, tu sortiras là jusqu'à la fin. Tu sais ce que tu as à faire? Joue les audios. J'ai pas bonne motion. Edwin, je suis pas, c'est pas toi qui m'envoies sur. J'ai pas bonne motion. Mais tu me parles pas. Je te dis que tu me parles pas, tu continues. Tu m'as pas envoyé ici, ok? Tu n'as rien à dire. J'ai pas bonne motion. Tu as entendu, c'est que moi j'ai entendu, tu as été comme moi, ok? Voilà, tu racontes n'importe quoi. Toi, tu n'as rien entendu. J'ai pas bonne motion. Tu n'as rien, tu connais rien. Je sais ce que tu disais là. Est-ce que tu en sais du dossier? Bon, boy, s'il te plaît, laisse les dames tranquilles. Laisse les dames tranquilles. Tu racontes n'importe quoi, tu viens culpabiliser la personne, tu viens culpabiliser la personne, tu racontes n'importe quoi. Bon boy, moi j'ai une question pour toi, bon boy. Aujourd'hui, on est dans cette situation à cause de toi. Voilà. Ah oui. Non, attends, je vais finir, laisse-moi finir. Tu as été notre héros. Oui, oui. C'est toi qui es notre héros. C'est toi qui es venu nous donner. C'est toi qui a explosé tout. C'est toi aussi qui es venu nous dire que la version du parquet et la version de l'audition ne sont pas pareilles. Tu es de faire attention. Non, nous, on veut ce soir. Attends. Ok. Ok. Non. Tu ne peux pas rétracter ce que tu as dit. On a audio. On a enregistré. Tu nous as dit que. Parce que Dan dit qu'il t'a fait le rapport de l'audition. Donc, tu connais. Attends, je vais faire la capture. Dan ne l'a jamais dit. Il a dit sur mon panel, j'ai la capture de ça. Arrête de mentir. Edwige, arrête. C'est ça qu'on appelle propos diffamatoire. Je ne diffame pas, Dan est là. Il a dit. Arrête, Edwige. N'importe quoi, menteur. Arrête, Edwige. S'il vous plaît, on va aller doucement. C'est mieux. Vas-y, je t'écoute. Ok, donc nous, on veut que tu nous éclaires parce que tu ne peux plus venir maintenant nous dire à nous autres où tu nous as mis l'eau dans la bouche. Mais je vais te répondre, grand frère. Attends, je vais finir. Maintenant, nous, on te dit de donner tout parce que tu as donné moitié-moitié ici. On ne donne pas des informations comme ça. Donc, donne toutes les informations que toi, tu as et, okay, tu laisses les gens trucs parce que tu as déjà bamougou, tu as déjà gâté. Faut tout gâter. Voilà ce que je dis. Donc, c'est ce que j'exhorte à tout le monde. Si tu n'as rien entendu, tu n'as rien vu, je t'exhorte à ne pas trop te prononcer. Sur mon panel, s'il te plaît. Où Yaka était? Tu es sur tous les panels, bon boy. Tu es sur tous les panels à ne rien prouver, à infectiver cette fille. Tu es sur tous les panels, bon boy. Arrête de mentir. J'ai jamais parlé de Chacha. Même moi, je te mets au défi de me montrer un jour une vidéo de moi dans laquelle je suis en train de parler, où je dis son nom, je me suis prononcé sur elle, jamais. Faut arrêter de mentir. C'est ce que je vous dis, c'est pas bien de mentir. Je l'ai pas encore fait. J'ai dit, ferme la bouche, tu vas me faire hausser le ton. J'aime pas hausser le ton avec les dames. Mais permets-moi de parler, s'il te plaît. J'ai dit depuis toujours, c'est moi, je le redis, c'est moi, Maggie, c'est moi qui ai mis les audios. Voilà ce que j'ai dit jusqu'à présent. Maggie, j'ai dit, national. J'ai dit, c'est moi, Maggie. C'est moi qui ai fait jouer les audios. Voilà ce que je dis. Ce que j'ai entendu ne me permet pas de parler dessus. Je me suis tué, je suis dans ma coquille. Vous m'attaquez depuis. Je suis monté ce matin, j'ai dit, désolé, déchargez-moi. Voilà ce que j'ai dit. En aucun cas, j'ai prononcé le nom de Chacha. J'ai jamais communiqué dessus. Les gens me disent, mets les audios. Je dis que je fais mes choses en mon temps et en mon heure. Je décide de quand je fais mes choses. Si je attends. Moi aussi, j'ai la capture que Edwige est en train de dire. Okay. J'ai la capture où Dan. Attends. Oui, Danny a dit que tu n'étais pas dans l'appel, que c'est après l'appel, lui, il t'a fait le récap de ce qui s'est passé dans l'appel. Danny a dit ça ici. Je vous mets au défi de dire où il m'a dit qu'il m'a fait le récap. Non, mais on n'a pas dit que c'est faux. Mais c'est lui qui a dit que il n'était pas quand il y avait le jour. Je veux écouter cette version, en fait, moi-même. Non, mais écoute. Jérémy, il veut que tu mettes la vidéo, en fait, là où Danny dit ça. C'est ce qu'il demande. Ok, il faut que je parle. Ok, c'est un commentaire. C'est un commentaire, il a fait le commentaire. Il a fait le commentaire, moi aussi j'ai fait le commentaire. Attendez, non, il a fait le commentaire même ici sur le panel de Waka. Attendez, je vais vous expliquer. Quand Stilby était là et Stilby accusait Bon Boy d'être dans l'appel,
Et c'était ce jour-là où Bonneboy disait, j'étais pas dans l'appel. Et puis, ça partait, ça partait. Et après, Bonneboy a dit, non, mais quand j'étais là-bas, on m'a enlevé, je suis descendu. Et là, c'est là que Danny a mis en commentaire, j'ai ça, je vais aller chercher. Il a dit que c'est moi qui lui ai fait le compte rendu. Bon, je paraphrase, hein. Et c'est moi qui lui ai fait le compte rendu de... Je vais te récapituler, ok? Ok, vas-y. J'étais en train de dire à Steel B d'arrêter de mentir sur ma personne. Que je n'étais pas dans l'appel, ok? Elle a retorqué que j'étais dans l'appel. Elle a même envoyé une capture de cet appel à Waka. Je lui ai sorti la conversation que j'ai eue ce jour avec... Ok, d'accord. S'il avait dit, ok, on va repartir sur cette base. Donc, je dis pas que ce qu'il a dit est vrai. Je dis seulement qu'il a dit ça. Donc, peut-être qu'il a pu se tromper ou bien il a mal écrit. Mais c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a lu. Donc, après, toi, tu t'es monté après sur un panel. Tu as dit que la version, je crois que c'est l'audition, et la version du parquet ne sont pas les mêmes. Je ne peux pas parler de, je le redis encore, je ne peux pas parler d'une audition dans laquelle, que j'ai pas écouté, dans laquelle je sais, mais tu nous as dit ça, donc tu veux dire que, tu nous as dit que les deux versions n'étaient pas les mêmes. Je t'explique, j'ai dit, j'ai dit ce que j'ai écouté et la version qu'on a n'est pas la même. C'est la raison pour laquelle. Mais la version qu'on a. Ok, c'est ça, c'est ça. Okay. Voilà, voilà ce que j'ai dit. Ok, tu as dit ça. Je crois que c'est ce que tu as dit. Ok, voilà. Vas-y. Donc, voilà ce que j'ai dit. Donc, c'est ce que je dis. Moi, j'ai écouté effectivement quelque chose, ce qui ne me permet pas. Et ce que j'ai écouté, je l'ai partagé avec tous. Tous avons écouté. Peut-être beaucoup n'ont pas prêté attention ou peut-être on prête à confusion. Mais voilà, je n'ai rien contre la jeune dame. Je n'ai rien contre personne. Voilà. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Il y a un fait qui a été dénoncé. Et puis, on avance là-dessus. Maintenant, de venir donner sa poitrine quand tu n'as pas les tenants et les aboutissants, c'est ce que je dis. Faisons, prêtons attention à ce que nous faisons. Voilà ce que je dis. C'est tout. En tout cas, demain. Je n'enregistre jamais les appels. Jamais. Je n'ai jamais enregistré les appels. Mais quand je suis sur. C'est de l'intimidation maintenant. Non, quand je suis sur un panel, que ça soit en commentaire ou en haut, j'observe et je fais des captures, que ça soit l'audio ou ça soit les commentaires, parce que je garde. C'est pourquoi. Non, c'est pas intimider, c'est pour dire que c'est la factualité. C'est la factualité. Quand tu dis quelque chose, faut amener la preuve. Et je fais les captures. Voilà. C'est pas pour intimidation. Il faut envoyer les preuves. Mais chaque fois, qui vous garde, si c'est dans l'affaire Chachala, tu me fais savoir. Et la vidéo va être bien faite. Comme je sais plus. J'exhorte tout le monde. Hein. C'est pas parce que quelqu'un demande pardon que c'est un aveu de faiblesse. Faut qu'on comprenne ça aussi. Hein. Quand quelqu'un sort, il dit pardon. Bon, oui, on a compris. Pardon, toi, là, on a compris. Déposez-moi. Mais pourquoi je n'ai pas entendu ça? Bonne boy, tu te justifies trop ce soir là. Il y a quoi le problème? Sais-tu que ce soir. Je vais bien réécouter. Ne rentre-nous dans la belligérance. Je suis en train d'apaiser les choses. Ah, le tout premier que je n'ai pas rien. Toi, tu es toujours là pour mettre le feu. Ne rentre dans la belligérance. Même quand il vient demander pardon, il va dire sinon. Non, mais bon, il ne sait pas faire les choses solennellement. C'est pas à part bourgeoise, le panel de Baba, je ne mets même panel là où on peut discuter, être là. Tu dis quelque chose parce que je voyais comment on s'assoyait, on voulait s'asseoir sur la bouche de la bourgeoise. Quand elle met ici, on la pousse, je dis, oh my god, amène la boule, sauf que je ne m'approche pas. Ah, ouais, quand c'était pas facile aujourd'hui. Quand j'ai mis ce panel, tout le monde a sommé. Les gens avec qui j'étais là, bizarrement. Oh, je sommeille. Ouais. Oh, je m'en vais dormir. Bizarrement, aujourd'hui, j'étais calme. Ils jetaient les corps comme chez moi. Ils jettaient les corps. Ça m'intéresse pas. Je préfère continuer mon travail dans la journée. Quand je finis, je viens à la Wakatolog TV, je lance mon direct et puis les gens viennent, chacun donne son avis. C'est pour cela, je suis très contente que j'ai dit que je reçois tout le monde. Parce que dès lors que tu prends un groupe de personnes, que tu vas dire que voilà les habitués, les autres personnes qui viennent, je m'en fous. Le jour où les gens là ne sont pas là, mais les gens que tu jetais hier vont se dire, mais non, va les chercher. On vient pas sur ton panel. Pourquoi on va venir sur ton panel? Est-ce que tu nous recevais? Bien.
Raison pour laquelle je dis que tout le monde, même si tu es nouveau, je ne cherche personne pour personne. Tu viens, tu montes, tu donnes ton avis dans le respect. Si tu veux monter, en tout cas, tu vas monter. Bizarrement, depuis 3 jours, les gens sommeillent, les gens sont fatigués. Le palais de Waka maintenant c'est rempli d'hommes. En tout cas, c'est pas grave. Voilà, c'est quand les gens vont faire les demandes, maintenant, passer par demande d'accepter les demandes. C'est pas de favoritisme. D'accepte, I'm done with that. C'est des personnes qui ont généralement eu sommeil. Donc, tu vois, à cette heure-là, les gens, généralement. Merci de nous défendre, Waka. S'ils ne font pas, s'ils ne font pas, ça, j'aurai fait un bon signe d'enfant. D'accord. Comme nous, on ne dort pas. C'est vrai. Je suis sur Internet, on dirait Waka, on ne la moyen pas. Il y a des moins chers, il y a des gens là, on ne peut pas s'attaquer. Waka, il a le verbe. Hein. Mais, Waka, il faut me mettre en grand. Je vais mettre la partie où il est en train de dire et où Dan a écrit. Toi, tu fatigues. Il est en train de Non, mais laissez-le pas mettre un break. Tu ne vas pas aller dormir. C'est la magie. Edwige de Milan, c'est l'actualité. Tu as dit qu'il ne doit plus te prononcer. Mais là, tu as assis sur sa vie comme ça là. Quelqu'un que tu as dit qu'il doit plutôt pour le site, voilà, tu as 6 ans. Vous êtes en train de dire que Padel de Papani, La personne qui est. Non, c'est pas ça. Elle a dit qu'il doit la déposer. Mais quelle est ce que c'est simple. On ne dit pas ça ici. Oh, c'est pas comme ça. Oui, Padel de Papani, là, les 4 motos. C'est que tous les motos de Papani, là. Comme père, quand vous avez entendu là, Dani, il s'agit d'une histoire de voiture. Vous avez vu le commentaire de Dani? Pour ramener, moi, j'ai pas vu. Ça. Je lui ai fait un compte-rendu de quoi? Je lui ai fait le compte-rendu. Mais de ce que tu dis? Arrête. C'est pas. Arrête de quoi? Arrête, Edwige. C'est petit. Ce que tu viens de faire là est petit. Oh, Binich, attends, je te démute. Mon Dieu. J'ai démuté. Binich, je te démute. Je te démute. Je te démute. Je te démute. J'étais pas dans l'appel de l'audition. J'ai pas assisté à l'appel de l'audition. Et lui, il a jeté son corps. Oui. Mais parce que c'est simple, l'appel de l'audition, là, ok, était la même, ok, l'appel de l'audition, là, je sais, je ne peux pas commenter là-dessus, mais j'ai la note vocale. La note vocale l'a dit. La note vocale, là, elle explique comme, comme vous avez entendu, là. Pas Dani qui répond. Il s'agit d'une histoire. Pas si Dani qui répond. Audition, là. Je sais, je peux pas commenter là-dessus. Mais j'ai la note vocale. La note vocale l'a dit. La note vocale, là, elle explique comme, comme vous avez entendu, là. Voilà. C'est Dani qui répond ici. Voilà. Tu es tenté. Moi, je t'ai posé la question. Moi, je t'ai posé la question. Parce que comme moi, je parle, on n'entend pas. Parce que c'est une capture de. Parce que, attendez, non, attends. Bonne, laisse-moi finir, s'il te plaît, une minute. Ce que Edwige dit, c'est vrai. Parce que si elle faisait la capture, vous n'allez pas attendre sa voix. Mais moi, je dis que même sur le panel de Waka, quand je vais arriver à la maison, je conduis. Et Dani a fait le même commentaire aussi. Quand Sylvie t'a accusé d'être dans l'appel, il a fait aussi, j'ai vu ça aussi. Donc ce que Edwige se dit aussi, c'est vrai. Moi, je peux voir. Je crois que moi ma capture est où on a posé la question. Et puis Dani a dit, c'est moi qui lui ai fait le compte rendu. Je vais chercher ça. Ah, ce que Edwige dit, c'est vrai. Le compte rendu là, c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans l'appel là, et Bonboy, débite-toi, voilà, je vais te parler. Parce que ce qui s'est passé dans l'appel. Voilà, c'est ouais. Ça. C'est ce que votre Tania a dit. Ce qui s'est passé dans l'appel, là, il t'a fait le compte rendu. Il t'a dit que, ah, voilà. Voilà, ils étaient à l'audition. Il t'a lui de le prouver. Mais nous, on n'est pas là pour prouver. On est là pour renchérir, non. Il t'a lui de le prouver. Parce que moi, je ne sais pas de quoi il m'a parlé. C'est que toi, tu sais enregistrer les gens, mais tu ne sais pas. Non, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas enregistrer les gens. Je ne sais pas. Bon, tu sais casser par peau de inbox, mais là, tu ne peux pas casser par peau de votre inbox de compte rendu. Quand je ne suis pas dans trop de choses que tu m'envoies, je joue selon mes humeurs. C'est comme et ça. Et ça, c'était avant-hier. Ça, c'était le 22. Mais tu dis que depuis que tu as cassé par peau là, tu n'as plus parlé de Sacha jusqu'aujourd'hui. Mais je n'ai plus parlé. Mais qu'est-ce que tu peux parler? J'ai plus parlé. Est-ce que c'est fou? Il faut bien m'écouter aujourd'hui. Pour la première fois, je vais le dire comme ça. Bourgeois, attends, je vais finir de dire comme ça. Je m'en fous des humeurs ou bien des pensants ou penchants de Glagla. OK? Je m'en fous aujourd'hui. Je m'en fous de Glagla. De toi-même, je m'en fous éperdument. Mais on parle pas de moi. Tu comprends bien.
Voilà. Donc les autres. Tu es en train de parler de moi. Les audios en fait. Ou l'audio que j'ai, ok, je les joue quand je veux. Mais ça parle pas de toi, bon boy. Ne ramène pas ça à toi. Ça parle pas de toi. Tu vas descendre de ma vie. Le sujet c'est Chacha. Je m'en fous de Chacha aussi. Je vais ajouter. Est-ce que je suis monté de ta vie? Je m'en fous de Chacha. Tu as parlé de ta vie? Est-ce que ta vie m'intéresse? Je m'en fous de Chacha aussi. Pourquoi? Mais on sait que tu t'en fous de Chacha, ça tout le monde le sait. Mais donc, à un moment donné, descends un peu sur la terre. C'est pas parce que je ne parle pas que tu vas continuer à faire tes conneries. Tu les fais pas avec moi, Edwige, ok? À un moment, tu la fermes. J'ai jamais parlé de Chacha nulle part. J'ai joué l'audio que t'avais. Tu parles de ta vie, qui connaît ta vie, qui s'intéresse à ta vie. Donc, c'est bon, non, c'est lui qui est monté pour venir comprendre la moi. Edwige, descends de ma vie, je m'en fous. C'est ce que j'ai fait là, ça m'en a mes consciences. C'est pas la manipulation qui fait. C'est mon âme et ma conscience, je l'ai fait. J'ai pas fait de ma vie. Je savais pas. C'est juste quand tu t'as parlé de Lolo. Bon, bon, ok, Waka, je peux parler. Bonjour, s'il te plaît, deux secondes. Je vais finir avec vite fait. Je vais finir, ok. Aujourd'hui, hier, avant-hier, demain, Edwige, je m'en bats les couilles de ton ressenti par rapport à la situation de Chacha. Je viens. Mais laisse-moi finir. Ne dis pas son nom. Ok. Mais je pense que je vais finir avec cette histoire-là aujourd'hui pour le bon. Vous tous qui m'appelez traite ou quoi que ce soit, je m'en bats les hucs, je vous dois rien, je m'en fous éperdument de votre ressenti. Glagla, c'est pas mon ami. Celle qui est en prison, c'est pas mon ami. OK? Les cœurs d'ébène, c'est pas mon ami. OK? Contrairement à ce que vous pouvez penser. OK? Je décide de faire ce que je veux, de ce que j'ai, quand je veux, comme je veux, quand je l'entends. Vos vies de merde, occupez-vous d'elles. Si ce que je dis vous intéresse pas, passez votre chemin. Arrêtez de si vous voulez renchérir sur ma vie, descendez. Vous mettez trop les organes sur ma vie. Vous et votre petit clan d'amis, là. On a fini de parler de cette histoire-là. J'ai mis les audios. J'ai disposé de certains audios aujourd'hui parce que, dans mon estime, cette fille est coupable. Je la considère comme. Raison pour laquelle je terre, je ferme ma bouche, je suis dans mon coin. Ce que je fais, je vous dis, quittez sur ma vie. Point barre. Je dispose des audios que je peux jouer dans lesquels elle est coupable. Je m'en bats les huttes. C'est pas ça mon problème. J'ai déjà joué l'audio en question. Je peux jouer d'autres choses. Ce que je veux, je joue. Donc vous la fermez à un moment donné. Je vous dois rien. Vous ne payez pas ma connexion. Je vous ai pas envoyé ici. Et comme vous me traitez de faux cul, je suis pas un faux cul, je vais te dire, Edwige, Stilbe, Glagla, croyez en vous, vous tous, votre merde, là. Je m'en bats les huttes de vous. Libère ma vie, frère, libère ma vie. Libère ouais, mais parce que tu te comportes comme une, tu te comportes comme une gangrène. Vous me libérez. À un moment donné, faut la fermer. Tu as surtout le monde, on te doit quoi? Je te dois quelque chose. Tu m'as suivi. À un moment donné, faut la fermer, descends de ma vie. Tu m'as suivi. Depuis 5 jours, c'est toi qui est sur ma vie. Je t'ai déjà adressé. Tu l'as fait, j'ai déjà dit ton nom dans quelque chose. Si tu as fini de t'exprimer, on va s'exprimer aussi. You know. Voilà. On t'a interdit de dire mon nom. C'est difficile pour toi de ne pas dire mon nom. C'est aussi compliqué pour toi de ne pas prononcer mon nom. On se connaît, on s'est déjà vu. D'accord? On se connaît. Laisse mon nom en paix. Libère mon nom. Impose le respect sur mon nom. Je n'étais pas là-bas avec vous. Quand tu étais en train de discuter, elle mangeait, elle parlait. Ok, donc... si vous avez fini de vous libérer, nous, on peut continuer sur notre truc, non? Donc, c'est bon. You know? Donc, j'espère alors que Bon Boy, faut plus jamais prononcer son nom ou parler de lui. Si possible, hein? Je m'impose pas parce que je suis personne pour m'imposer. Edwige, si tu peux faire le même aussi, je m'impose pas, je ne fais que... C'est une suggestion, voilà. Si tu peux ne plus parler de lui, de son nom aussi, tu fais comme s'il n'existe pas. Et puis on avance, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis on avance dans la paix du Seigneur. C'est mieux. Ok, ainsi. Waka, nous sommes pas en place une, s'il te plaît. Ok, Waka, ça sera difficile. Baba, ni ouvre son panel matin. Ok, merci beaucoup. En tout cas, merci. La vie de Bon Boy là-bas.
Mais ils peuvent ne pas renchérir sur lui, renchérir sur Amine, autre chose, mais Amine, pour ne pas que... En tout cas ouais, moi j'apprécie la proposition de Waka, vraiment, chacun n'a qu'à déposer son camarade, voilà, quelqu'un ne paye pas la collection de quelqu'un ici, bon boy est libre de faire ce qu'il veut, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, chacun est libre de donner son point de vue, mais... À la lieu, ça va déjà vraiment que chacun dépose son camarade parce que c'est trop, c'est fatigant. Ça fait déjà 3 jours. On sait qu'il a, il a zaé, il a fait ci. Mais ça va, c'est fini. Bon, il a zaé maintenant. On doit faire quoi? On doit le crucifier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais c'est fini. Ça va. Moi, franchement, ça va pas. Ça va plus m'encourager à monter ou bien à commenter parce que ça va que je vais me faire insulter chaque jour. Quand ouais. J'ai des problèmes ici, je dis à tout le monde, personne ne monte. Je fais seul des renchérissements sans injure. On n'en parle même pas. On avait dit que, bon, tu as pris la partie de Chef Adama parce qu'on nous a dit qu'elle va dormir, mais de prendre la partie de Chef Adama, on va voir ce qu'on peut faire avec ça demain. Que vous êtes qui? Sortez sur Chef Adama. Je vais mettre tout ce que vous avez comme capture. En tout cas, Je vais piper la PLCC. Merci. Et je vais demander, à part la PLCC, qu'est-ce que je peux piper d'autre? Je vais les identifier dessus. Vous n'allez pas prendre le monopole de TikTok ici. Chacun est libre. Chacun est libre. Faites des directs sur moi si vous voulez. Demain, ouvrez des panels sur Wakatolok. Moi, je m'en fous. Ouvrez des panels sur moi si je veux, je réponds. Si je veux, je réponds pas. Mais les personnes qui viennent commenter ici, même 5 minutes, vous voulez ouvrir panel sur la vie de ces personnes? Genre, vous voulez faire peur à tout le monde quand vous êtes des King Kong. On va voir qui va y couper. Ben, en tout cas, moi je vois pas ce qu'il a trop dit de grave. Hein. Parce que la personne est là-haut, vilaine, donc je ne sais pas où c'est la main. Eric. Bon, moi, ce que je veux dire, bon, je veux passer une information, peut-être que tout le monde ne sait pas. Waka, tu sais qu'on a dit que j'ai entendu quelque part que Eric Christian est ton faux profil. C'est que là. Oui, vas-y. Il y a eu trop de tension, je voulais faire une dédicace. Bien, c'est, on dit une dédicace. Quelle dédicace à qui d'abord? Info, laissez l'autre. Dédicace. Faut prendre info, laissez l'autre. Je veux faire une dédicace à quelqu'un, à Maggie. À Yahweh. Je veux faire une dédicace à Maggie. Je te respecte sur le nom de Maggie. Merci. Maggie, la grosse soirée. Pour des questions, pour répondre sur le panel et tout, parce que jeudi, c'est mon anniversaire quand même. Hein? Je peux pas faire de direct pour ça. Hein, l'Ivoiricaine? Oui, j'ai une question pour JM. Tout à l'heure, Monsieur Cœur d'Ébène a dit que il sait que vous avez toutes les informations sur le dossier, que vous connaissez, enfin, vous connaissez la gravité, tout ça. Il lui comment disait, il sait tout j'espère ça que. Il lui disait, j'espère que tu as toutes les informations. Non. Quand il a commencé, il a pris part comme s'il avait connaissance de ce que M. JM a en sa possession. Il a dit que M. JM, il sait que M. JM a connaissance de tout le dossier. Mais comment il sait? Les fameux... Est-ce que Monsieur JM se rappelle de ce moment-là? Non, les fameux non. C'était, moi, je pense que c'était de l'ironie. Non, je pense que c'était de l'ironie. Il a dit, je constate. Voilà. C'était de l'ironie parce que JM fait sortir 2 jours là, il se promène avec les dossiers. Il a des dossiers en main, que lui, il a beaucoup de papeaux, il a des preuves, il a tant, tu vois un peu. Donc, comment il a constaté. Attendez, ce que Dubariken a dit, c'est vrai. Arrêtez de vouloir, c'était pas de l'ironie, c'était pas sur l'ironie, il a dit ça. Mais il avait fait une supposition, il n'avait pas fait trop d'affiches. Tu vois un peu, comme les gens qui vont au plateau pour chercher du travail, tu as tout ça, toutes les preuves, tu as des audios, tu as les lourds dossiers. Donc voilà comment le monsieur il a pensé, il a dit. Bon. Il a expliqué le dossier. Ouais, il a expliqué le dossier du plateau. Il a toutes les informations. Il a la confirmation, qui va venir s'asseoir. Tu vois les gens qui ont les gros pantalons avec les chaussures et bien côté, sur les côtés là, c'est penché. Tellement le goudron du plateau là, ça a bouffé là. On dit qu'il n'a pas donné sa poitrine pour ce dossier là. Et puis mettre classeur.
Ils ont un classeur sous les incelles et puis ils ont pas attention à ta poitrine. Hein. C'est pas pour ce dossier, c'est pour quelqu'un. Ne pas donner sa poitrine pour quelqu'un. C'est ça. Il a les loups dossier. Les poitrines de Boano. Le peu de côte qui te reste, faut pas y vont casser le reste. J'aime là dans chaque situation, il a les loups dossier. Faut pas te laisser ta poitrine. Il a les loups dossier. Faut pas ce dossier là-bas t'achever, j'aime. Fais attention. Fais attention. Oui, Manuel, ça, il avait un dossier comme ça aussi. Il dit, je le vois, et puis je Maman, tu dors, non, maman, tu dors. Ok, maman, je vais te dire au revoir. Venez, 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 venez. Quand je vous dis que TikTok, c'est la magie. TikTok, c'est la magie. Mais Kakadé, ouais, Kakadé, il y a un vrai béret. Kakadé, j'ai une question. La bourgeoise, j'ai une question. J'ai pas attention, Kakadé, tu vas détester. Pour Edwige Milan. Vas-y, vas-y, vas-y. Moi, quand je regarde le dossier, et je regarde un peu le dossier de la mère, en tout cas la mère Ouagatoulom, j'aimerais te dire, c'est pas, mais quand les gens sont venus essayer de te mettre la corde au cou pour que tu puisses jeter le PJM Talk, pour qu'ils puissent dire mal le PJM Talk, tu as refusé, tu as protégé ta personne. Moi, j'aime la mère. Je ne l'ai pas protégé. Moi, qui veux dire protéger, tu n'as pas accepté. Que... comme on voit, voilà. Mais je ne l'ai pas protégé, c'est un grand voilà. Garçon. Oui, oui, tu n'as pas accepté qu'on elle fasse a dit, ça. Si ton père. Tu peux grand chéri dans non. Le respect. Non! Renchérir dans le respect. Dans mais à des gens qui étaient tellement remontés voilà. Qui voulaient insulter. Et c'est ce que je ne voulais pas. Si, si, mais aujourd'hui, quand on regarde, on voit que ces personnes-là ne sont pas prêtes à attaquer l'autre côté parce qu'ils ont des affinités avec certaines personnes. Exactement. Donc, le PJM, je vais toujours vous donner raison. Hein. Il n'y a que de l'hypocrisie sur TikTok. Et comme je l'ai dit, on vous regarde aujourd'hui, mais demain, on attend vos positions. Merci, bonne soirée à tous. La partie qui me fait rire dans cette. De, la partie qui me fait rire dans cette. Pas forcément que je suis ton quoi. Je la connais. Mais si, Emma, ton téléphone, il y a quoi? Ton micro. Soit dit que c'est comme ça, moi, c'est il est submergé par les dossiers. Ouh là là, il cherche, il a été fouillé dans ce plan de là-bas. Mais aujourd'hui, on est en train de dire que le fait que je n'ai pas fait ce que d'autres voulaient sur JM, mais de l'autre temps aujourd'hui est en train de protéger leur personne. Moi, c'est comme ça, j'ai compris. Mais là, si c'est pas comme ça, Kakadé, oui, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça juste pour faire chose. C'est comme ça, j'ai compris aussi. Hein. Moi, c'est comme ça, moi, non, j'ai compris. C'est ça. C'est ça, ça, c'est en fait, c'est ça. Protège leur personne. C'est moi, les Edwige, bon, peut-être que c'est la personne de Stevie parce qu'elles se sont vues à Abidjan. Bon, Edwige, Edwige, c'est sa position normale. Edwige, qui? Non, 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 non. Mais attends. Que quoi? Non, elles se sont vues. Peut-être que c'est une amie à elle, même si c'est pas amie renforcée, mais elles se sont vues. Il y a peut-être une affinité et tout. Qui entre qui est Biki? C'est à son honneur, en fait. Entre qui est Biki? Non, non, non. L'exemple qu'il a donné, je dis, c'est vrai que je pense pas s'il parle de vous. Je dis, peut-être Stilby fait partie des affinités de Chacha, mais je pense pas qu'il parle de vous. Vous, il y a certaines personnes qui m'ont reproché ici, pourquoi je fais pas ça JM, pourquoi comme ça, et qui étaient fâchés contre JM, mais qui voulaient vraiment... Non, moi, je vous ai pas dit ça, hein. Moi, il voulait pas qu'on fasse ça. Je suis en train d'expliquer de ce comment j'ai compris ce que Kakadé a dit. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Et puis, j'ai rajouté dessus, je dis, je suis contente que j'ai pas, c'est pas un groupe, mais ça a un peu fait que, il y a certaines personnes qui venaient sur la télé qui ont un peu déserté. Parce qu'aujourd'hui, c'est Babani qui lance tout à votre honneur pour aller vous asseoir, pour parler de ce que vous voulez exactement. Parce que le panel est ciblé. Le panel, c'est pas un panel libre. Tu viens, on jette ton corps. Si t'es pas d'accord, tu parles trop fort. On te balance, on balance pas bourgeoise parce que bourgeoise est une habitude avec vous. Donc, vous la coupez, vous la boxez, mais elle reste quand même. Moi, je ne ferai pas partie de ça. Donc, je dis solennellement, je n'irai pas sur le... Je comprends pas, en fait. C'est ce que moi, je comprends. Je n'irai pas sur le panel de Babani. Babani va faire vos choses avec vous. Je n'irai pas là-bas. Babani est juste, Babani n'a pas de parti, hein. Babani n'a pas de parti. Non, 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 c'est faux. Babani n'a pas de parti, hein. Babani est très partisan. Parti de quoi? Parce que Babani n'est pas partisan.
Je ne regarde pas tout le panel, parce que c'est vrai, dans la journée, bon, avec le décalage, je suis un peu occupé où je me réveille. Vous, vous avez déjà commencé, mais c'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué. Maintenant, si vous dites que c'est pas comme ça, ben, peut-être que je suis aveugle. Peut-être que je juge pas, mais c'est ce que moi j'ai remarqué. Moi, il vit, c'est tout le monde qui est ce que tu viens là. C'est ça qui est votre problème. Surtout sur le panel de Babane. Ça, seulement, ça, c'est un problème. Franchement, quand se dise la vérité, c'est ça qui est le problème. C'est que quand, on entend donner son avis. Non, mais c'est pas respectueux. Quand tu as la parole et puis on te coupe comme ça. Non, franchement. Aïe, aïe, ça, c'est pas bien. Bourgeoise, donne-moi 10 secondes. Vous aimez transformer les dires des gens. Personne n'a dit que Babane n'a pas le droit d'ouvrir un panel. Hein. Toi, mamie Delia, que tu dis Babane a le droit d'ouvrir. Qui a dit que Babane n'a pas le droit? C'est moi, je dis que je ne pars pas là-bas parce que ce qui se passe, je n'aime pas, je n'adhère pas. Et j'ai le droit aussi de le dire. Qui a dit que Babane n'a pas le droit? L'autre fois, je suis monté, j'ai dit ce que j'avais à dire et puis je suis descendu. Ça, c'était l'affaire de Bon Boy d'ailleurs, avant qu'on ne sache que c'est Bon Boy. Qui a dit tout le monde a le droit d'ouvrir un panel? Toutes les personnes qui viennent ici, même les commentateurs, ont le droit d'ouvrir un panel. Donc, ne dis pas que Babane n'a pas le droit d'ouvrir le panel. C'est moi qui dis que l'orientation du panel, c'est ces jours-ci, depuis quelques jours, c'est Chacha. C'est quand tu es pour Chacha que c'est chic du reste. Parce qu'elle a constaté que quand on va sur le panel de Babane, si tu n'es pas d'avis avec les personnes qui sont là-bas, bon voilà, soit on jette ton corps, ou bien on te mute. Voilà pourquoi d'autres comme les Eric ont dit, effectivement, c'est vrai. Mais vous acceptez Bourgeoise, parce que comme vous êtes un peu habitué à Bourgeoise, mais elle constate que malgré qu'elle est là-bas, vous la yuroukoussez. Mais voilà, moi-même, je sais que j'ai été yuroukou aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ce qu'elle est en train de dire. Voilà, mais elle n'a pas dit que c'est toi. Elle n'a pas dit que Babane n'a pas le droit d'ouvrir le panel. Voilà, elle n'a pas dit. Maintenant, c'est Babane qui n'a pas l'audio. La bourgeoise, j'ai un audio. J'ai un audio, la bourgeoise, laissez-moi mettre. Franchement, franchement, non, vous abusez. Non, c'est abusé, Moi, je ne veux rien avoir avec toi, justement, pourquoi tu veux te mettre dedans? Ça n'a rien à voir. Non, la bourgeoise, l'audio, c'est pour toi. C'est connu, toi et moi. Quand tu lances ton panel, là, je demande à Babane de couper celui qui est chez toi. Non, la bourgeoise, l'audio, c'est pour toi. On coupe que Babane pouvait venir chez toi. On lance pas maintenant. Oui, la bourgeoise, l'audio, c'est pour toi. Ce que j'ai remarqué, je vais t'en dire un peu plus. D'accord. Je vais t'en dire un peu plus. La bourgeoise, l'audio, c'est pour toi. Il n'y a pas de privilège. Personne, même par ordre d'arrivée de demain. On va jouer l'audio. C'est pour la bourgeoise. Allons-y. Attends. Beaucoup de paroles. Non, vas-y, confesse-toi. Vas-y, parle. Non, en fait, le problème. C'est l'audio que tu devais jouer. C'est quel cognage de tête ça? C'est pour affirmer ce que je dis là aujourd'hui. Parlons, continue le duo. Continue le duo. Je peux sortir moi 5 audios de 5 panels où Bourgeoise dit ça. C'est son travail. Quand elle parle, elle ne sait pas s'arrêter. Elle parle jusqu'à. Elle peut faire 30 minutes, elle parle, elle ne respire pas. Elle ne boit pas l'eau. Elle parle, Philippa. Non, c'est faux, Elle dit, c'est faux. Vous l'avez trop étouffé. Elle parle, ça, Philippa. Vous l'avez trop étouffé. Vous passez le temps à faire descendre les gens. Moi-même, quand j'ai fini de parler, personne ne sait que j'ai fini. Non, franchement. C'est pas ici, bref. Et quand je suis obligé de dire maintenant, je me mute pour que les gens sachent que j'ai fini de parler. Non, mais Bourgeoise, c'est pas facile. Tu n'as même pas pu renchérir. Caleçon aussi qui vient, elle ramène tout à elle. Tu ne te concernes même pas. Tu viens te muscler sur ça comme ça. Là, tu te dis justement. Quand vous m'avez connu, là, ça va continuer comme ça. Raison pour laquelle la télé tient aujourd'hui, parce que je mets tout le monde au plein pied d'égalité. Sinon, aujourd'hui, j'allais mordre mon doigt. Tout le monde a sommeil aujourd'hui. Oui, depuis 3-4 jours. Hein. Oh, oui. Tout le monde.
quand on dit on a sommeil, quand on regarde, revenez, venez au moins, je vous donne un topo. Venez mais avec Waka, vos petits Waka, mais Waka, vous. Mais Waka, pourquoi tu fais ça? Je fais ça parce que j'ai remarqué, j'ai le plein droit de le dire. Hey. Nous tous, on a commencé à. C'est pas infiltré. J'ai vu ce que bourgeois a commencé à faire. C'est pour ça que les personnes ne veulent pas venir ici. Parce que regarde comment je suis léché ici. Nous tous, on a regarde commencé dans les à commentaires. Bateau, pour... Regarde les personnes qui montent, qui m'invectivent. On a c'est commencé pour à tirer bateau au port. Dans la nuit, on est parti. C'est pour éviter ça. Tu t'es indexé en fait. Même si les jours où tu ne peux pas venir, il n'y a pas de problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Tu n'as pas besoin d'être là tous les jours. Tu dis que celles qui ne viennent pas ici, tu dis que celles qui ne viennent pas ici, elles vont chez Brani parce que donc elles ne viennent pas pour ne pas subir le sort que je subis. Non, 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 non. Parce que le sort que je subis, elles ne peuvent pas subir ça. Moi, au moins, j'ai dit que j'ai le cardio. Edwige, je ne peux pas le cardio de subir ça. Edwige, faut pas ramener tout à toi, franchement. Edwige, faut pas ramener tout à toi. Je ramène pas tout à moi. Je ne prends même pas de toi. Toi, tu viens ici. Un exemple. Non, 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 non. Arrête ça. Elle est en train de dire son ressenti. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il faut l'emmener à comprendre que non, c'est même pas tu fais peut-être un faux jugement que voilà, voilà. Qu'est-ce qu'elle demande? Voilà. C'est le moment qu'elle a fait. Je ne peux rien dire. Que voilà. Moi, moi-même, je suis en train de lui dire que non. Que papa dit qu'il est impartial seulement. Je ne suis pas fâché, rien. C'est pour cela que je dis rien. Non, mais aujourd'hui, elle n'est pas fâchée. Dans les faits, voilà, il ne faut pas dire que non. Moi-même, ici, là, moi, maintenant, c'est un peu comme si. C'est un peu comme si tu défendais quelque chose qu'elle avait constaté. Je vois. Non, non, non. Je sais. Nous-mêmes, moi-même, à ce moment, je suis bien mal dans le commentaire. Pourquoi? Elle vit, tu exagères. Elle ne veut pas dire ça. Elle vit, tu fais comme ça. Elle vit, tu quoi? Tous les commentaires. Vous pensez que c'est supportable? Mais chez Babani, là-bas, aujourd'hui, là, on m'a insulté dans les commentaires. Le panel de Babani, 7, en tout cas, la majorité, toutes ces modos-là, elles sont du même avis, je comprends. Mais Babani lui-même, là, c'est quelqu'un qui est perdu même dans ce truc. Il est, aujourd'hui, il est ici. Demain, tu vas voir, il est de l'autre côté. À la même minute, c'est que, à la même minute, il change. Non? Babani lui-même, franchement, je peux pas dire qu'il a une position prise. Mais, ces quatre modos, c'est toutes ces modos-là, sont du même avis. Donc, c'est difficile. Souvent, même là, une personne qui n'est pas du même avis, est en train de donner son avis, et puis, un coup, la personne descend et puis il dit, mais pourquoi la personne est descendue? Faites remonter la personne. Faites ça. Il fait ça très souvent. Mais seulement le problème, il n'a que des modos qui sont du même avis. Tu vois, il n'a que des modos qui sont du même avis. Beaucoup de fois, il dit, mais pourquoi la personne est tombée? Pourquoi la personne est tombée? Toujours là, il faut la muter, pardon. J'ai muté, ok, j'ai muté, il faut regarder. J'ai muté, j'ai bloqué, c'est bon. Ok. Attends, grand frère, attends-moi une seconde. Moi, je vais dire quelque chose. Il vient t'expliquer, Waka, pourquoi subitement tout le monde est fatigué la nuit maintenant. Les gens, là, ils ont eu un nouveau job au port. Ils sont dockers. Ils tirent bateau au port. Quand les bateaux là, arrivent au port, c'est eux qui déchargent maintenant. Donc, à une certaine heure, ils sont obligés de boire les médicaments pour dormir. Faut comprendre. Ça va passer après. Voilà, toi, jours, papa, le contrat toi, du bateau bon va finir. Toi, bon boy, tu es toujours dans la provocation. Oui, quand le contrat du bateau va finir. Il est dans la provocation. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Quand le contrat du bateau va finir, des profils. Je vois des profils que c'est pour signaler. Ou quand quelqu'un me dit que non, je veux répondre à tel, parce qu'on a parlé de moi, ça peut trouver, il y a deux demandes. Mais comme toi, tu dis que tu veux répondre, je te prends d'abord pour que toi, tu puisses répondre. C'est pas du favoritisme, mais c'est pour amener un peu l'autre devant, parce que l'autre est en train de répondre. Mais prochainement, même les gens qui n'ont pas de photos, je vais les prendre d'abord, mais dès que je te prends, je dis, ouvre ton micro, parle. Si je vois que c'est une personne qui parle, la personne se mute, la personne reste. Même si tu as l'habitude de venir ici, tu vas attendre, parce que il y a X, Y, 100 photos qui ont fait la demande avant toi. Ça va être comme ça maintenant, même au niveau des demandes. Voilà. Non, même moi, avec moi. Tout le monde. Je peux jouer un autre mot. Toi, tu n'es pas détendu. Non, je pose la question. Pardon, je pose la question. Vous dites qu'il ramène tout à moi. C'est là-bas chez Babani, c'est pas les biens. Il dit qu'on doit les jouer. Edwige va poser sa question. Eric, quand tu dis pour tout le monde, quand tu dis pour tout le monde, donc il faut préciser, s'il te plaît. Je dis tout le monde, bourgeoise n'est pas là. Les GM ne sont pas là. Les gens qui avaient un peu de favoritisme, un tout petit peu au niveau des demandes, c'est ce que je dis. S'ils sont pas là maintenant, à cause d'un problème, qu'on ne partage pas les mêmes avis. Parce que quand ils vont chez mon frère, parce que Babani reste mon frère, c'est pas mon ennemi, c'est mon frère. Quand ils vont là-bas, tout est à leur guise, comme ils veulent. C'est-à-dire, ils se sentent subitement la nuit, parce que bon, quand ils vont venir ici, ce sont des avis différents. Oui, parce que JMP est de l'autre côté, Eric est de l'autre côté, Chantier est de l'autre côté, l'Ivoiricain, on ne sait pas qui est de quel bord. Tu montes, tu donnes ton avis, on ne te descend pas haut. Même si tu n'es pas du même avis que moi. Babani est perdu, Babani n'a pas de camp. Et quand on jette souvent les personnes, Babani, mais qui a jeté? Remontez. Non, Babani n'a pas de position, mais les panélistes, oui. Mais je ne pense pas que Babani a une position. Je vais jouer l'audio. On joue l'audio. Écoutez ici, c'était...
Ok, je vais répondre à Edwige. Edwige, tu vois, ce que tu fais, c'est de la mauvaise foi. C'était pas cet audio qui devait jouer, JM. Tu devais jouer l'audio de Ted Ben. Et c'est quand tu devais jouer. Donc, en mettant Babani là, le but c'est quoi? Arrête, s'il te plaît, arrête. Parce que tu entends, Edwige, arrête. Arrête, parce qu'on est en train de parler d'un sujet. J'ai mis le premier audio que vous avez écouté. J'ai dit, j'ai un autre audio. Donc, arrête, Edwige. Ce n'est pas bon ce que tu es en train de faire sur le panel. Parce que moi-même, tu sais bien que sur ce panel-là, j'ai eu des problèmes avec des personnes. Et moi-même, je suis parti allumer moi-même mon panel et j'ai dit ce que je pense. Mais je suis toujours resté ici, je suis revenu. Il ne faut pas venir raconter des histoires. Attends, moi, je n'aime pas ça. Lebrun, je vous reprends, je vais prendre certaines demandes qui veulent donner leur avis. Après, non, Edwige, je n'aime pas ça. Moi, quand je viens sur un panel, on m'empêche de parler. Je fais mon propre panel, je m'exprime et puis je reviens. Voilà. Donc, il ne faut pas venir dire ici que je mélange les gens. Waka est grande et Waka dirige son panel. Moi, je n'ai jamais dit à Waka quoi faire. Quand je viens sur le panel, il a fait passer. Non, tout le monde est bienvenu ici. Ne pensez pas. Il est en train de juste faire écouter les audios, c'est tout. Attends, ça ne va pas garder, ça ne va rien changer. J'aime ton qui peut intervenir. Donne-moi 30 secondes, je vais finir 30 secondes. 30 secondes. Donc, moi, ici, sur le panel de Waka, ici, plusieurs fois, quand on ne s'était pas entendu et vous étiez sur la position, vous étiez là, vous m'avez empêché de parler. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, moi, je suis descendu, je suis allé ouvrir mon panel. Mais est-ce que ça m'a empêché de revenir ici ou bien de venir? Quand j'ai fini de dire ce que je. Tu l'as joué. D'accord? Je pouvais le faire. C'est là qu'on appelle quelqu'un de mauvaise foi. Parce que ça s'est passé là, tout de suite, sur le panel de Waka. Je pouvais l'interpréter autrement. Voilà, donc arrête, s'il te plaît. La mauvaise foi, c'est toi. Ok, merci. Ok, Edwige, je suis de mauvaise foi, j'assume. Voilà. J'aime pas, non, faut accepter. Je suis de mauvaise foi, je joue les vidéos que je vais jouer. Voilà. Personne ne me paye ici pour jouer une vidéo. Yeah. Je joue ce que je veux. Voilà. Celui qui veut prendre une vidéo, va chercher sa vidéo et puis toi, tu es comme moi-même, pourquoi voilà. À un moment, il ne faut pas exagérer. Okay. Okay. Je joue les vidéos que je vais jouer. Vous savez, moi, le petit temps de recul que j'ai eu, ça m'a, bon, déjà même, je savais, hein, mes soeurs me parlaient, fais doucement avec TikTok, fais doucement. Jésus, la sorcellerie qui est ici, même si tu bouffes la chair humaine, tu peux pas être autant initié que sur TikTok. Voilà. Et puis, ma position n'est pas prête d'échanger. Donc, ce que moi, j'aimerais dire, aujourd'hui, on nous parle de la reconnaissance comme étant la vertu absolue. Mais je tiens à vous dire que Pablo Escobar, il a construit Medellin. Mais c'est le gouvernement qui a envoyé Trump dans Medellin. C'est pour dire ceux qui l'ont tué là. Lorsqu'il était adulé, ceux qui l'ont tué, et puis les gens pleuraient, qu'un patel l'enterrait. C'est ce gouvernement là qui a mis le Trump dans la cité de Medellin. Et les mêmes personnes qui ont pleuré Pablo Escobar montent dans ce Trump pour aller faire leur course en bas dans la ville. Donc c'est pour vous dire, souvent, une personne peut vous rendre service. Mais si on veut regarder cela, on va applaudir Pablo Escobar. Et puis on va applaudir aussi, comment on appelle cela, El Chapo Guzman, parce qu'il a fait, il a servi les pires, comment on appelle cela, une horde de piranhas qui est en train de foncer sur une charogne. Je suis désolé, mais ces personnes-là, demain, là, vous n'allez pas avoir de crédibilité. Et tu ne veux pas critiquer ta position. Tu donnes ta position en allant sur le fait qu'un humain se doit d'être reconnaissant. Je suis d'accord avec toi. Mais taux de reconnaissance, ça, tu deviens un canidé, une espèce de chien. Parce que le berger allemand, il va toujours obéir à son maître. Qu'il soit psychopathe, même s'il a commis des meurtres de masse, s'il a son chien, il va lui obéir. Hitler avait un chien, un berger allemand, qui lui obéissait au doigt et à l'œil, qui était collé à lui. Mais tout le monde sait les calamités que ce gars-là a causées à l'humanité. Mais son chien, lui, était fidèle, c'est un animal de compagnie. Taux de fidélité, tu deviens animal de compagnie des gens. Et encore, je vais dire,
Les personnes qui ne sont pas assumées dans la journée et qui servent d'adjoint la nuit, demain qu'elles vont vous bombarder, là, moi, ce n'est pas là. Hein. Et puis, il ne faut pas qu'ils va venir m'insulter. Hein. Quand vous avez fait vos rapports hypocrites, ils n'étaient pas là. Hein. Donc, quand vous allez faire vos parlas, bah, bata qui va me ou bien bata qui va me taguer, pour m'insulter, parce qu'il va utiliser le mot. Quand vous êtes en palabre, les personnes qui n'ont rien à voir là-dedans prennent des balles. Moi, je ne prends plus de balles perdues de quelqu'un. Demain, si c'est gâté entre vous, vous réglez. Je ne suis pas là-dedans. Hein. On est ensemble, on n'est pas mélangé. Hein. On ne peut pas rire local pour mélanger riz cassé pour faire tchèp. Chacun sait à faire son plat. On a, il n'y a jamais vu ce mélange-là, malgré que c'est du riz. Donc, quand vous êtes actuellement en amitié pour un sujet, restez là-dedans. Demain, quand ça va se gâter, il ne faut pas que quelqu'un va venir un fou compte pour me taguer. Il n'était pas là quand vous avez fait vos amitiés. De grâce. Demain, quand vous serez en palabre, considérez qu'il n'en fait pas partie. Mais c'est d'accord avec toi, mais je voulais, voilà, tout le monde n'a pas compris ce que tu as dit. Je voulais juste signifier ça. Je ne suis pas de sûr. J'ai parlé de trois choses en même temps. Oui, oui, j'ai signifié le fait que, voilà, tu vois. Alors, c'est mon pronom que tu as mentionné, c'est sur ça que je reviens. Je ne reviens pas sur toi. Moi, je suis à la parole, ma soeur. T'inquiète pas. D'accord, merci. Washington, s'il vous plaît. Oui, là depuis très longtemps. Oui, j'ai écouté. Moi, je suis montée. Moi, je voulais juste dire un truc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la position de Waka, c'est-à-dire on a crucifié Yasko. On peut pas soutenir. C'est-à-dire on a crucifié Yasko. On peut pas soutenir une autre. Là, je suis d'accord. Mais la partie où je suis pas totalement d'accord, c'est Bandboy. Bandboy, tu as fait ce que tu voulais faire. Toi, ton but, certes, c'était de sortir l'audio. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Parce qu'à partir du moment où tu as pris la décision de faire sauter l'audio, tu dois avoir le dos large. C'est-à-dire, tout le monde est libre de parler sur toi. Parce que c'est la décision que tu as prise. Parce que cette décision-là, elle était lamentable. Tu as réfléchi 100 fois, 1000 fois avant de prendre cette décision pour faire sauter l'audio. Et quand je t'entends parler, dis, tu t'en fous de cœur ben, mais t'as non, mais moi je peux pas dire ça, je suis désolée. Cœur ben, c'est pas ton nom, mais je suis désolée, tu peux pas parler comme ça. C'est ta décision à toi de faire sauter l'audio, mais c'était pas la décision. Je disais en fait, moi je soutiens pas Chacha, mais la partie de Bandboy seulement, Bandboy, tu dois faire profil bas. Je suis désolée, tu dois faire profil bas parce que c'est toi seul, toi on tape les murs, je te le conseille, tu as pris la décision de faire sauter l'audio. Ça, je te le conseille, c'est ta décision à toi. À partir du moment où tu as pris cette décision-là, il faut savoir que tout le monde va renchérir. Donc, tu n'as pas à interdire X ou Y de renchérir sur toi. Même si ça te fait mal ou pas, tu dois avoir le dos large. Parce que à partir du moment où tu as pris la décision de faire sauter l'audio, il faut savoir que tout le monde va parler sur toi. Ça, c'est un point. Le deuxième point, mais quand je t'entends dire que tu t'en fous de Pierre Ben, que c'est pas ton ami, mais là, je suis choquée, je suis estomaquée. Tu peux pas dire ça, en fait. Donc, ça veut dire que tu es dans une amitié hypocrite avec Pierre Eben. Pierre Eben t'a fait confiance à 100% jusqu'à point où de te remettre l'audio. Mais il a joué sa crédibilité. Là, il a, en fait, les gens crédibles vont même plus faire confiance à Pierre Eben. Mais regarde comment tu parles. Je suis désolée, Bandboy. Moi, à ta place, je veux faire profil bas, je veux me taire. Ce que tu es en train de faire là, mais c'est choquant, je suis désolée. Mais moi, qui ne soutiens pas Chacha, mais pas ce que je vois ce soir là, tu vas m'emmener à soutenir Chacha. Je veux dire que toi, tu es dans le complot avec Yasko le pro, tes propos ce soir. Mais fais profil bas. On a compris ta position. Toi, tu voulais faire sauter nos yeux pour que tout le monde sache que oui, effectivement, Chacha est arrêté. C'est bon, toi, ta mission est accomplie. Tu t'arrêtes là, Bandboy. À quoi tu joues là ce soir? À quoi tu joues? Moi, je te comprends plus, en fait. Et je suis choquée, en fait, tout ce que je suis en train d'entendre là. Mais non, fais profil bas, Bandboy. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ok, Chanty. On va passer la parole à Washington. Washington, vas-y, ma belle. Ok, merci. Bon, en fait, moi, je suis montée, c'était plus pour Edwige. Bon, c'est pas pour faire des histoires, pas du tout. C'était juste en fait pour te faire comprendre la position de Waka quand elle parlait de, par exemple, de favoritisme sur le panel, par exemple. Bon, en général, nous sommes là chaque soir. Et il y a des réguliers sur le panel. Et bon, que les gens soient d'avis ou pas d'avis, tout le monde était là, on discutait et sans problème. C'est tout simplement qu'avec cette histoire, bien vrai que les gens peuvent ne pas être d'accord sur cet truc, au moins ils auraient pu être là ce soir. Mais le fait que chacun décide de ne pas, tout d'un coup comme ça, dire que bon, j'ai sommeil, je serai pas là. Et tout ça,
En fait, c'est ça. Mais sinon, ça n'a rien à voir avec le panel de Babani. Tu vois, je pense pas qu'elle a un problème avec Babani. Je pense pas qu'elle a un problème, avec le fait que les gens soient sur le panel de Babani. Je pense pas que c'était ça. Mais c'est juste le fait que, bon, vous pouvez être sur le panel de Babani, mais cela ne vous empêche pas, néanmoins, de venir tous les soirs, comme on est là, on rit. Non. Si je veux que ça soit vite, j'enlève la partie là où on demande, fait les demandes d'amis, je parle, et puis je mets la musique, et puis on continue. D'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé depuis quelques jours. Le soir, quand je finis de parler, on met de la très bonne musique, les Zouk Retro, et puis on passe une très belle soirée ici, et je vais commencer ça dans deux jours, quand mon anniversaire va venir. Voilà. Il y a toujours des choses que je peux faire ici. Il ne faut pas que tu parles, qu'on pense que, oh, comme si je me plaignais que les gens viennent. Pas non, les gens viennent. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était juste pour faire comprendre à Edwige que c'était juste que, bon, peu importe les différentes opinions, tout le monde peut venir et juste discuter et peu importe le sujet, quoi. En fait, c'est tout ça. Voilà. C'est chantier. Ok, merci. Attends, Washington, avant que tu ne parles. Je suis d'accord avec toi. Je vais te prendre tout de suite, Sad. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vraiment insupportable. Est-ce que tu comprends? Parce que tout ce que tu as parlé, Waka t'a coupé la parole. C'est qu'il a son droit, c'est son panel. Mais si c'était moi qui l'avais fait, tous les commentaires allaient m'incendier. D'accord? Tous les commentaires, sans exception. C'est pas facile de venir dans le sens contraire de la vague. Et moi-même, il me semble, mon impression me fait penser que ça devient un peu plus personnel pour Waka. Donc, je ne peux pas venir la contrarier sur son panel. C'est par respect. Est-ce que tu comprends? C'est par respect qu'il y a certaines personnes qui ne montent pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas monter. Ils veulent monter. Pas qu'est-ce qu'il y a dedans qui font qu'ils ne veulent même pas venir pour être contrariés, en fait, dans ce sujet. Sinon, il y a plusieurs panels qu'on a partagés. C'est pas une bonne... La contrariété n'est pas bonne, parce que quand tu donnes ton opinion, les gens sont tellement limités. Ils se disent que tu donnes ton opinion par rapport à quelqu'un. Parce que tu as parlé avec quelqu'un. Juste parce que tu as donné un avis contraire à quelqu'un, ils se figent, ils se bloquent. Donc tu ne peux même pas argumenter. Une fois que tu commences à argumenter, ils commencent à mettre le nom des gens. En tant que tu ne parles pas de ça, c'est difficile, Waka. C'est un exercice qui est très compliqué et qui est très difficile. Ok, si tu penses que c'est par respect, c'est ce que toi tu dis, vous êtes consulté pour que toi tu penses que c'est par respect. Peut-être que c'est ce que toi tu penses. Mais pourtant, tu viens ici. Et quand tu viens ici, est-ce que Waka empêche la contradiction? Je suis pas d'accord. Exactement, c'est ça. Waka, les gens, ils sont plus là. Mais qui continuent à être là où ils sont, franchement, quoi. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Attends, et en plus de ça, juste tu continues à être là-bas, j'ai pas de problème avec. Voilà. Et en plus, je me dis que... Si quelqu'un, ceux qui montent sur tes panels, là, et que tu dis que tu as besoin d'eux, et que lui, il est en train de m'invectiver, tu comprends? Et qui dit que parce que Edwige, tu nous étouffes. Est-ce que tu comprends? Et que tu le mets au même niveau. C'est Eric qui l'a écrit. Et que tu le mets au même niveau que moi. Pourquoi tu dis que moi je monte sur ton panel? Voilà. Il est dans les commentaires, il a dit tu nous étouffes. Eric est le seul qui est en train de faire des commentaires. Waka, je peux avoir une motion. Si il a écrit que tu l'étouffes, c'est pas son étouffement là qui va faire que tu vas pas t'exprimer. Je ne peux pas avoir une motion. Vas-y. Ok. Edwige. S'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, en toute sincérité, Edwige, tu es monté sur ce panel, personne n'est interdit de parler. Mais Edwige, tu coupes les gens. Tu veux qu'on te dise, Edwige, laisse l'autre parler, tu ne veux pas que les gens parlent. C'est pourquoi les gens disent, Edwige, arrête. J'aime, tu as gagné. On ne s'est pas disputé en inbox pour vous dire, il n'y a rien eu. Donc, quand elle dit qu'il y a eu zizani entre elle et moi, on ne s'est pas disputé en inbox. Hein. On ne s'est même pas fait de reproches en inbox. Ce que je fais là, c'est là, je fais, on est en train de parler. Donc, quand tu dis que JM sème la zizani, il n'y a pas de zizani parce qu'il n'y a pas de problème entre toi et moi. Il n'y a rien. Même ce matin, je t'ai écrit en inbox. Il n'y a rien en fait. Je peux finir? Je pense que c'est compliqué. Vraiment, cette histoire-là. Je pourrais finir ma motion. Vraiment. J'espère que cette histoire-là va finir parce que là. Je finis ma motion, s'il vous plaît. Ça détruit tout le monde, quoi. Je finis ma motion. Alors, moi, je disais. Compliqué. Moi, je disais, si ce soir, il cherche moi, vous pouvez toujours. Oh. Ok. Lesky, comment vas-tu, ma belle?
Je vais bien. Non, je vais pas trop bien parce que ça commence à devenir autre chose. Je vais un peu donner mon avis. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'impression, je bégaye même parce que je suis un peu choqué de ce que je vois. Je pense que tout un chacun ici, en dehors de TikTok, tout un chacun ici croit à un Dieu fidèle. Ça veut dire qu'on a des musulmans, on a des chrétiens. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ou en début de journée, on confie sa vie à Dieu. Il ne faudrait pas que TikTok devienne, ça devient autre chose. Moi, j'ai l'impression que Lucifer, dès quand je viens dans un panel, heureusement que Satan n'arrive pas à me transformer. Heureusement, parce que ce à quoi j'assiste depuis, c'est je monte tout même seulement parce que bon, c'est ton panel, voilà, parce que je t'aime bien et tout. Les règlements de compte, elle a dit ceci, elle a fait ça. Dans d'autres lives là-bas, on mute les gens. Moi, j'étais de l'autre côté là-bas. Je suis seulement parti parce que quand quelque chose ne m'arrange pas, moi, je quitte. Moi, quand t'as muté, tu dis ? Non, on ne m'a pas muté. Ils ne peuvent pas me muter. Oh. Moi, je dis, je tape sec. On ne m'a pas muté là-bas, mais je voyais ce qui se passait. Mais je veux dire, quand quelque chose ne t'arrange pas dans un panel, pour ne pas avoir les maux de tête des rancunes ou des rancœurs, il faut quitter le live. Il faut quitter le live. Moi, je comprends. En fait, je suis choqué. Je suis vraiment... Mais c'est pour ça qu'il y a quelque chose au fond que d'autres personnes savent, mais personne ne veut nous dire. Parce que les gens mettent tellement les tripes et les organes dans l'histoire de Chachala que je ne comprends pas. Tu vois pourquoi j'évite même de parler de ce problème. Tu sais, quand je monte dans les panels, je ne prononce même pas ce nom. J'ai l'impression que cette femme, son sang est très fort. Moi, j'évite. Moi, ce que j'aimerais, c'est que revenons à nos lives. Ça veut dire qu'on a parlé de ce sujet. C'est vrai, on va dire que le Yasko le Pro, les gens ont dormi dessus. Les gens ont fait des mois de panels sur Yasko le Pro. Avait raison. Chacha, on ne connaît même pas ce qui se passe. On ne sait pas. Elle est à la MAC, sûrement. Elle a fait quelque chose. On n'a pas fait quelque chose. Ton anniversaire, c'est bientôt. Laissons. Je sais que tu es quelqu'un. Mais moi, je vais décaler mon anniversaire pour samedi. Parce que l'environnement, là, I don't like it. Alors, oui. Je n'aime pas. C'est une suggestion. C'est une suggestion, Waka. Je sais qu'on a. Eh ben, motion, Ben. Je n'ai pas de mauvais. You're not going to move that birthday because of this bullshit. Attends, je termine, s'il te plaît, Bibi, je termine. Je sais qu'on a heurté, on a parlé de tes enfants, on a insulté tes enfants. Et tu sais, c'est des personnes qui n'ont pas de moralité, c'est des personnes qui n'ont pas d'éthique. C'est des personnes qui n'en valent pas la peine. S'il te plaît, qu'on ait insulté, comment s'appelle, chef Adama d'autre côté. S'il te plaît, à genoux, ne réponds pas. Ne gâche pas ta raison. Tu as un panel neutre. Laisse tomber. La nuit porte conseil, tu vas dormir pour tes enfants. Laisse. Ils ne peuvent rien créer sur tes enfants. Ne les donne pas raison, ne pas faire ce que tu as dit que tu allais faire sur Facebook. Cette histoire même de Chachala, peut-être que ce soit une idée. Si toi tu montais tout de suite, tu donnes un avis. Peut-être si tu. On connaît un peu leur jeu. Donc tu es le seul panel qui est contre-cas et ils n'aiment pas ça. Comment un groupe peut venir sur TikTok s'aimer la zizanie? Au nom de qui? Donc s'il te plaît, ma chérie, ne fais pas comme eux, laisse. Ça me rend tellement mal à l'aise. C'est-à-dire que moi je viens de prier, je viens ici. Dès que je viens ici, mon cœur commence à devenir noir. C'est pas possible. Je sais pas comment les gens font ça. Edwige, lis les commentaires. Il n'y a pas que les mauvais commentaires. Moi, je suis pour toi dans les commentaires. Et est-ce que tu penses que TikTok peut venir ruiner une amitié de combien d'années avec Wakatolog? Ça peut pas. Tu as toujours dit, moi, je te suis depuis, même si tu as toujours dit que ton amitié, personne ne peut venir briser. Ça ne laisse pas les charognards. Regarde, ils sont là-bas en train de jubiler. Ils disent que nous, on ne dort pas la nuit. Ils sont là-bas en train d'écouter le panel, en train de danser. Mais quand ils disent qu'on ne dort pas la nuit, ils oublient qu'on a 6 heures de décalage horaire, quoi, en fait. Mais c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. Qu'est-ce que tu veux discuter avec les gens qui n'ont pas été à l'école? Qu'est-ce que toi, tu veux discuter avec les gens qui n'ont même pas minimum bac? En fait, je ne sais pas pourquoi Edwige a dit ça. Je ne me suis pas disputé avec Edwige. On ne s'est même pas prise la tête en inbox. Il n'y a rien, quoi. Tout est clean. Sauf tout de suite, bon, parce que JM peut-être a joué l'audio qu'elle n'a pas aimé, comment les gens fafiassaient bourgeoise sur le panel, que peut-être qu'elle a pris ça en jouant. C'est vrai qu'en jouant cet audio, c'est un peu un aide-moi à détester, ça prête un peu à confusion. Nous, on a tous vu. Oui, mais ça n'a rien à voir entre sa relation et moi. JM voulait prendre ma motion, je veux dire ça. Quand j'ai fini, je descends, moi j'ai dit qu'on a certifié. Donc, JM a dit qu'elle a la vidéo pour montrer que ce qu'on faisait à Bourgeoise aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. L'anniversaire, c'est quand en fait? C'est le 25. C'est le 25, normalement, j'ai dit hier. Oui, il faut un nouveau vent parce que vraiment, ça me dépasse. Bon boy, laisse aussi. Laisse, tu as fait ce que tu avais fait. Moi, je suis derrière toi. Laisse passer, ne réponds plus au charognard. Ça devient fatigant. Moi, je veux pas trop durer. Je suis tellement pas bien que nous, au début, on venait chez, ici, s'amuser le soir comme ça, 7 heures. Tu mets la bonne musique et tout et tout. Mais il y a un groupuscule des gens sur TikTok qui pensent qu'ils sont des Hitler. On parle mal aux mamans d'enfants. On jette leur corps comme des pestiférés. Je comprends plus rien.
Elles sont là-bas. Demain, tu vas encore les revoir. Nous ne serons pas comme, nous serons pas le, comme le panel. Si quelqu'un parle, nous couper pas la parole. Il parle d'émotion, oui, mais laissez les gens s'exprimer. Parce que quand on te coupe la parole, ça frustre. Quand on jette ton corps, ça frustre. On a jeté le corps de Bonne-Bonne là-bas, des manches, croyant en vous, comme, comme une souris. Faut pas dire le nom de ce thème. Ah, oui, celui-là, enfin, bref. Je suis en bas comme d'habitude. Je voulais monter parce que ça me grattait la gorge. Vraiment. Merci. Ne laissons pas Lucifer gagner. Pardon sur ma genou. Pardon. C'est pas encore fini depuis là. Ah, ouais, Bibi, c'est quoi? Ah, Bibi, alors, je vais prendre ma motion d'une minute. Je vais descendre. Je vais vous laisser parler. Ah, quand tu m'as dit, il faut libérer. Non, je prends ma motion de descendre. Pardon. Eric, pardon. Tu étais en haut ici. Pardon. Laisse-moi parler. Non, s'il te plaît, excuse-moi, pardon. Waka, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Moi, j'ai dit à Edwige possible de donner notre avis dans le respect. Voilà. Quand vous faites vos amitiés, on est là derrière comme les moutons. Après ça, quand vous vous séparez, nous, on est au milieu. Voilà. Personne n'a manqué de respect à quelqu'un. Je crois que ce que JM a fait, moi, je crois que c'est même plus en faveur de nous parce que on a tellement été étouffé et acculé aujourd'hui sur le panel de Babani. Et arrêtons de tout ramener à nous. Ce que j'aime faire, ce n'est pas contre Edwige. On lui dit ça depuis, elle ne veut pas comprendre. Ce n'est pas contre toi. On va te dire ça dans quel français? Arrêtons de tout ramener à nous. Je lui ai dit peut-être que, voilà, le sujet là. Moi, je suis monté pour m'excuser. Je suis monté pour m'excuser, Waka. Voilà, je suis monté pour m'excuser. J'ai juste dit, tu nous étouffes. C'était pas méchant. C'est juste pour dire qu'il faut plus nous couper, il faut plus nous descendre, bien nous muter.